Se protéger de l'autre par peur qu'il nous blesse. Celui qui blesse fait un cadeau éthérique. Il met à jour une faille égoïque. Cela ne signifie pas d'accepter autour de soi et à tour de bras des gens qui ne se questionnent pas. De mettre des barrières comportementales à autrui pour calfeutrer de matelas l'espace dans sa vie est fortuit. En faisant cela, on interdit tout élan de vie. Ça essaye d'empêcher l'autre d'être, c'est pourri. On peut observer avec lucidité que des comportements aliénés, répétés, objectivement questionnés, n'ont pas permis d'évoluer. Au contraire, que l'orgueil borné d'une mémoire a inhibé toute forme de lucidité. Alors, on peut sacrifier la relation. Ce qui aidera à jeûner l'émotion dont la mémoire se recharge, à questionner la pensée de l'âme héritée pour se libérer, à lâcher l'âme son croyance auquel on était appâté. On peut parfois aussi accepter la stagnation, pas d'évolution dans la relation, simplement aimer l'autre comme il est, quand les aliénations ne nous ont jamais vraiment affectés. Par contre, n'accepte pas que l'on projette sans cesse sur toi les émotions qu'il ou elle ne questionne pas, en interdisant ceci et cela chez toi. Sa sensibilité à fleur de peau, une mémoire de vieux mots. Interdisant tous les mots. Ambiance Gestapo. Alors, pour qu'elle ne fasse plus de vieux os, pour faire bugger la mémoire programmer, questionner ambiance, rien à péter, éclairer de manière bien ciblée, nommer ce qui doit être nommé, le comportement aliéné. La pensée héritée interdit alors à son hôte, à son tour, tous les mots. Lui qui se vantait de pouvoir les trouver si on lui laissait le temps d'infuser. Hélas, jamais il ne les a trouvés. Le programme qui fait taire a gagné. Sans se retourner à l'unanimité, les chemins se sont alors séparés. Sacrifier cette relation d'évolution accélérée. La vieille mémoire héritée a gravement jeûné. Plus d'émotions à grignoter. Sa vision à pas du bonheur, rien à carrer. Plus de polarité à dealer, maintenant que t'es décortiqué. Hors de question de se taire pour plaire, ton deal ne fait pas l'affaire. Pulvérisé dans ma lumière, le programme a explosé dans les airs.